Aujourd'hui, je reçois une question d'un jeune ami. Le monde appelle ça des étudiants, moi j'appelle ça des jeunes amis. Parce que, bon, ils sont un peu plus jeunes que moi, ça c'est une question, mais c'est pas très important. Mais surtout, c'est des amis parce qu'ils partagent des sujets d'intérêt et ils partagent des valeurs aussi. Quand les gens sont honnêtes, quand ils sont droits, quand ils sont intéressés, ça me plaît beaucoup et j'ai envie de leur rendre service. Donc, je suis content d'avoir la question qui m'est posée parce que précisément, ça me permet de rendre service. Et la question, c'est quelqu'un qui s'est inscrit à l'université dans un cursus qu'on dit scientifique et qui s'interroge sur ce qu'il fera de ses études. Alors, je commence par dire que le mot étude me plaît beaucoup. Les études, ça consiste à étudier, et les études produisent, enfin permettent d'obtenir des connaissances d'un côté, des compétences de l'autre, mais aussi des savoir-vivre, des valeurs, de l'enthousiasme. C'est plein de choses, les études, c'est merveilleux. Alors, c'est pas sexy, c'est pas au milieu d'une foule. Je vais pas dire où on peut trouver de telles foules, mais c'est pas non plus au bistrot en train de s'alcooliser et peut-être de perdre un peu son temps. Non, c'est solitaire, pas forcément d'ailleurs. On peut imaginer un groupe d'amis qui travaillent ensemble, qui étudient ensemble, qui se posent des questions. Donc il y a toutes les possibilités. On peut faire de l'étude en haltérophile ou en joueur d'une équipe de football, en quelque sorte. Voilà. Donc voilà pour les études. Alors maintenant la question, c'est ces études, donc ces études d'un cursus dit scientifique, mais on comprend bien que tous ceux qui sont inscrits dans de tels cursus ne vont pas faire de la recherche scientifique. Voilà. Mais ça pose surtout la question de qu'est-ce que c'est que la science, hein? Et alors, quand je vais dire science, je vais dire science de la nature, hein? Je ne vais pas le répéter à chaque fois, parce que ce serait un peu lourd, je le ferai de temps en temps quand ce sera nécessaire. Mais je pense ici aux sciences de la nature, pas aux sciences de l'humain et de la société. Voilà. Alors, il y a ce cursus qui est dit scientifique, mais qui en réalité ne conduit donc pas tout le monde vers des laboratoires de recherche scientifique. Ça conduit à plein d'autres choses. Par exemple, il y a eu une période aux États-Unis où les gens qui étudiaient la chimie trouvaient du travail dans les banques. Bon. La chimie explore des systèmes complexes et les banques, la finance, c'est également un système complexe. Et le système bancaire américain avait compris que les gens formés à la chimie étaient des gens qui faisaient bien pour les métiers qu'ils proposaient. Bon, c'est une possibilité. Il y en a plein d'autres et en particulier, surtout d'ailleurs, pour des métiers d'ingénieur. Alors, ingénieur, technologue, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est pas du tout la même chose. On y reviendra. Mais enfin, l'ingénieur, c'est pensons à quelqu'un qui est maître d'œuvre. Par exemple, une doctorante de notre laboratoire, après sa thèse, est maintenant dans une société pharmaceutique en Suisse. Et son métier, c'est de recevoir des demandes de clients pour des besoins d'analyse chimique et d'être capable d'expertiser ces besoins et ensuite d'aller vers l'intérieur de sa société pour constituer des équipes qui seront capables de faire les analyses très particulières qui y sont demandées. Donc on voit bien que c'est un métier de chef d'orchestre en quelque sorte, mais un chef d'orchestre donc qui connaît très très bien les sciences et leurs applications. Alors avec les sciences et leurs applications, il faut que j'arrive maintenant à ce point-là. Les sciences de la nature, c'est ce dont il sera question pendant les vidéos qui vont suivre, les épisodes qui vont suivre. Maintenant,
Les applications. Alors, les applications des sciences, il y en a essentiellement deux sortes. Il y a des applications techniques et des applications, on va appeler ça didactiques. Bon. Savoir que la Terre tourne autour du Soleil est une application des sciences, une application de l'astronomie, qui est une science, et c'est une application qui est didactique. Ce n'est pas une application technique. Bon. Alors, je dois faire un mea culpa. Pendant longtemps, j'ai parlé d'applications technologiques, mais en réalité, ce n'est pas juste. Les applications des sciences sont des applications plutôt techniques, et c'est la technologie qui est le vecteur, qui est le traducteur, si on veut, entre les sciences de la nature et la technique. Par exemple, si on découvre que, mettons, un composé particulier interagit d'une façon particulière avec, mettons, la division des cellules dans l'organisme, à ce moment-là, on peut vouloir faire un médicament. La fabrication du médicament est un travail technique, pas technologique. En revanche, ceux qui utilisent la connaissance scientifique, la découverte du fait que certaines molécules, pour des raisons moléculaires précises, ont une action sur la division cellulaire, ceux-là, ceux qui font le transfert des sciences de la nature vers la technique, sont des technologues. Techné, ça veut dire faire, logos, ça veut dire étudier. Et on étudie. Enfin, les technologues ont une visée applicative. Alors, j'enchaîne immédiatement en disant, comme Louis Pasteur et comme tant d'autres, qu'il n'y a pas de science appliquée. Il y a des applications des sciences. Mais l'expression science appliquée en français est fautive, parce que si une science est une science, elle n'est pas appliquée précisément. Et si elle est appliquée, c'est plus une science, c'est une technologie ou une technique. Donc, vous voyez que les mots ont une importance. Et dans le fond, c'est ça qu'on me demande aujourd'hui, c'est de précisément expliquer ces mots bien guidés. Donc là, le tableau me semble clair. Il y a donc les sciences de la nature d'un côté, les techniques de l'autre, et au milieu, la technologie. Et la technologie, parfois, se mêle avec de l'ingénierie. Donc comme ça, on a bien avancé. Bon. Alors, maintenant, puisqu'on est dans cette introduction, en quelque sorte, ce cours numéro zéro, là, je dois faire état d'une discussion récente avec un collègue canadien en gros, qui me disait ce que j'entends trop souvent, que oui, mais enfin, la technologie, les sciences, c'est bien pareil. Et d'ailleurs, quand on cherche une application, on est bien obligé de bien comprendre le phénomène. Oui, c'est vrai, on a tout intérêt à comprendre ce qu'on fait. Je ne suis pas opposé à cette idée-là. Mais ce n'est pas pour cette raison que les sciences de la nature seraient la même chose que la technologie. La technologie a une visée applicative et les sciences de la nature ne l'ont pas. Alors, je prends un bon exemple, mais quand Albert Einstein explore la théorie de la relativité, il n'est pas en train de construire un GPS. Et d'ailleurs, il ne peut même pas imaginer que le GPS puisse exister. Donc, ce n'est pas ça la question. La question pour les sciences de la nature, c'est de lever un coin du grand voile, disait Einstein, de chercher les mécanismes des phénomènes. Je répète encore une fois, parce que ça sera vraiment un point essentiel. Les sciences de la nature cherchent les mécanismes des phénomènes par une méthode très particulière qui fera l'objet des vidéos suivantes. Bon. Alors, je reviens maintenant à ma question. Donc, il y a des activités différentes qui peuvent se ressembler un peu. C'est vrai que quand on a une idée technologique, je ne sais pas, par exemple, chercher des sensibilités particulières des patients en analysant chimiquement leur salive, eh ben, on va faire des découvertes. Mais ces découvertes sont peut-être pas les mêmes que celles qu'on cherche quand on fait des sciences de la nature.
On peut faire des découvertes. On peut découvrir, par exemple, que les patients qui ont eu le Covid ont, mettons, j'invente quelque chose, hein, ont une teneur en ion potassium supérieure. Bon, voilà une observation. Très bien, c'est maintenant, ayant cette observation, on peut aller screener des salives pour identifier des gens qui ont eu le Covid. Voilà l'application. Bon. Maintenant, les sciences de la nature, c'est pas ça ce qu'elles feraient. Ce qu'elles feraient, c'est, ayant cette observation, elles iraient chercher pourquoi la concentration en ion potassium aurait augmenté. Voilà. Donc on voit très bien deux activités très séparées. Alors, le seul fait de faire ce geste me permet de faire un cadeau au jeune ami qui m'a posé la question, mais à tout le monde. J'ai l'impression qu'il est important de répéter ce de quoi s'agit-il. Quand on fait quelque chose, il me semble qu'il est bon de chercher l'objectif. L'objectif, c'est-à-dire la destination du chemin que l'on va parcourir. Si on ne sait pas qu'on veut aller, mettons, à Colmar ou à Strasbourg, on va arriver à Marseille ou à Bordeaux. Je n'ai pas dit que Marseille ou Bordeaux étaient moins bien que Colmar ou Strasbourg, j'ai dit que c'est d'autres destinations. Donc si on fait quelque chose, c'est qu'on a un objectif, alors identifions bien l'objectif avant de nous mettre en chemin, sans quoi nous partons dans le décor. Bon. Donc là, il y a l'objectif. Et une fois qu'on a déterminé l'objectif, à ce moment-là, on peut choisir le chemin qu'on va prendre. Par exemple, pour aller, mettons, à Colmar, on peut passer par Troyes ou on peut passer par Nancy. Voilà deux chemins différents. Eh bien, ces chemins, on les voit mieux quand on a défini l'objectif. Mais après, il faut les choisir. Et donc, je pense que pour nos activités qui sont les sciences de la nature, la technologie, la technique, là encore, on y gagne à bien identifier l'objectif et ensuite à choisir le chemin. Et c'est pour ça que je reviens à ma discussion avec mon collègue. Son objectif, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Et parce qu'il a un objectif qui n'est pas clair, parce qu'il n'a pas compris la différence correctement entre science, technologie et technique, et je m'en suis assuré qu'il n'avait pas bien compris la différence, eh bien, de ce fait, il confondait science et technologie. Il voyait pas bien la différence. Mais pire, au fond, quand je l'ai poussé dans ses retranchements, le fait qu'il soit rare de faire une grande découverte lui conduisait à dire que oui, mettons science et technologie dans le même sac, parce que de toute façon, il y a très peu de gens qui font des découvertes. C'est pas un raisonnement, ça, c'est quand même incroyable. C'est le summum de la mauvaise foi, c'est-à-dire, sous prétexte qu'on n'est pas assez bon, eh ben, on va dire que si on fait de la technologie, on fait quand même de la science. Mais non, c'est pas vrai. On fait de la science quand on fait de la science, et on fait de la technologie quand on fait de la technologie. Voilà. Alors, je termine cette première vidéo avec la chose suivante. Donc, en annonçant maintenant que je vais prendre la méthode des sciences de la nature et je vais l'expliquer. Et je l'expliquerai en tutoyant mon ami à qui je parle, mais tous les autres, parce que si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un ami. Alors, je termine donc maintenant en énonçant les étapes successives de la méthode des sciences de la nature. Alors, cette méthode, on l'a appelée méthode scientifique, méthode hypothético-déductive, etc., etc. Moi, j'appelle ça simplement méthode des sciences de la nature. Et ça tient en 6 points qui sont 1. Observer un phénomène, l'identifier. 2. Quantifier le phénomène, c'est-à-dire produire un ensemble de nombres. 3. Réunir ces nombres en équation. 4. Induire une théorie en introduisant de nouveaux concepts. 5. Chercher une prévision théorique fondée sur la théorie. Et 6. Tester expérimentalement la prévision théorique. Voilà. Voilà les différentes étapes que nous examinerons dans les prochaines vidéos.